Voilà les gens, j'ai terminé mon réglage carbu. Bon, je l'ai pas essayé, je vais aller l'essayer là. Et ben voilà, tranquillement. Hein. Bon, petit changement de vario, comme j'ai dit. Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'il était dur, ça va. Changement de vario, comme j'ai dit. Flash 115 qui me servira à rien. Parce que la courroie, si elle arrive là, c'est le bout du monde. En 13, elle ne peut pas passer, c'est pas possible. Parce que là, il y a plus que 13. Il y a beaucoup plus que 13. Et voilà, bon après ça fera le même effet que l'autre, mais on verra. Et voilà, franchement, mais il est prêt à partir. Je remettrai les cash quand il sera réglé. Changement de couronne cet après-midi. Parce que je suis obligé de rester chez moi, donc tant qu'à faire, je vais changer la couronne. Le pot, toujours le même. Le Conti rectifié maison et voilà. Sinon, y a rien à dire. Impeccable. Pour l'instant, ça roule bien. Et juste un peu cette couronne là, j'aimerais essayer 56 à la place du 52 parce que j'ai beaucoup de côtes chez moi et bon, déjà il grimpe, mais là je veux qu'il grimpe encore mieux. Ça me permettra de manger plus d'hamburgers. En deux mots. Voilà. Non, je veux qu'il grimpe un peu plus. Bon, déjà, il grimpe, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je vais sûrement changer le moyeu de roue. Là, il est en fer, il est lourd. Je vais le mettre en alu. Voilà. Prochainement, dans mes achats. Voilà, petite vidéo. Tranquillement. On y est. Bon, le phare, finalement, je ne m'en suis jamais servi. Il marche, mais je ne m'en suis jamais servi. Voilà, après par contre il mérite un bon nettoyage parce que ça fait des mois que j'ai pas nettoyé et il est crasseux, franchement. Je sais pas si vous le voyez propre, moi je le vois crasseux. Voilà les gens, à la prochaine.